Ah, c'est des jets bleus. Ouais, c'est ça. Quand les jets bleus arrivent, les autres sont morts. Alors, donnez-vous de l'eau avec du sucre l'été? Non. Ben, ça a l'air. C'est qu'est-ce que ça attire, l'eau sucrée? Ça attire une sorte d'oiseau. De l'eau avec du sucre? Ouais. Ouais, mais il faut garder ce temps. J'ai vu ça à la télévision. Le monsieur a fait une affaire, il avait comme un thermo, il avait son eau, voilà, tout le temps qu'elle soit dégelée. Hein. Ouais, c'est sûr que ça doit être en aider, plus que ses attires aussi, ses amis. Ah, je mets moi de l'eau avec du sucre, c'est des colibris. Ouais, c'est ça. Non, j'ai mis, moi, je vais y arriver au début juin. C'est ça, c'est en plein ça. Comme début septembre. Ça l'attire les colibris, c'est vrai, ça. Je ne me souvenais plus de quel oiseau. Également, et l'agence UMI a décidé de nommer le titre de personnalité d'année à la mairesse de Lac-Mégantic, Colette Roy-Laroche. Évidemment, on lève notre chapeau à cette dame-là, qu'on a surnommée d'ailleurs la dame de granit. Bien évidemment, elle a su mener cette crise-là, malheureusement, là, mais de main de maître, disons-le, de façon remarquable. Elle a été très présente auprès de sa communauté, et pour cette raison-là, évidemment, là, on tenait à lui lever notre chapeau à ce titre-là de personnalité de l'année 2013. Et il y a une personne qui veut mettre les institutions qui s'intéressent à ça. Oui, invité par la Fondation Pierre Gagné, c'est quand même un geste absolument remarquable de cette famille-là, des Gagné, on peut dire. Oui, on a un beau reportage. Bon, on est à 4 jours du 31 décembre. Le 31 décembre, c'est la soirée la plus occupée pour Opération Héros. Et le festival, c'est la plus complexe organisée par ce qui de bénévoles, mais c'est quoi 500 écoles, ça veut dire 1000 personnes qu'on va trouver justement pour la soirée du 31 décembre. Je dirais même à 1500 personnes du côté des Rouges, là, une équipe complète. On parle donc de 3 personnes, la personne qui conduit son propre véhicule, celle qui conduit celui du client et un accompagnateur également là, dans la voiture de ceux qui ont consommé de l'alcool. Donc autour de 1500 personnes, ce partout au Québec, sont demandés là, pour la soirée du 31 décembre. Le but pour Opération des Rouges, eh bien, c'est de gérer là, le mieux possible l'offre et la demande et ainsi de suite. Et Marie-Christine, on va passer à la météo maintenant avec Yannick Combeboy et Yannick Pompombois, l'image extérieure en direct. On va parler avec l'instant québécois. La ambiance, c'est un peu long.